Et salut tout le monde, c'est Mustang et on se retrouve aujourd'hui comme chaque fin de mois maintenant pour un nouvel unboxing Nerdblock. Et ce mois-ci, ça va être un mois un petit peu spécial puisque je n'ai pas reçu une Nerdblock, mais j'en ai reçu deux. Donc ce qui fait que je vais vous en faire gagner une. Donc non, c'est pas une erreur de la poste, j'en ai commandé deux exprès parce qu'on a atteint maintenant les 900 abonnés. Un grand grand merci à vous. Et quoi de plus normal, je pense, que de vous faire gagner des trucs. Et en ce moment, c'est vrai que je vous fais plein de concours. Je pense que ça vous fait plaisir. Moi aussi, en tout cas, ça me fait. Je suis le premier à qui ça fait plaisir vraiment. Et du coup, le concours, on va voir ça comme d'habitude un peu en fin de vidéo. Donc il faut savoir que c'est exactement la même box, hein. C'est les deux mêmes que j'ai reçus. À ceci près, je vous l'ai dit que ça dépend, par exemple, si on a une peluche de la série Mario, que moi dans ma box j'ai Mario, vous pouvez avoir Yoshi, quoi. Ça change des séries, mais sinon ça va être grosso modo la même box. Et pour ceux qui se demanderaient, justement, parce qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés, ce que c'est que ce genre de box, c'est tout simplement une box pour gamers qui contient plein de petits objets geeks et gamers. Donc chaque mois j'en reçois une. C'est vraiment la surprise, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc là vous pouvez voir un peu que c'est marqué, donc on va peut-être un peu cacher. Sur l'étiquette c'est marqué ce qu'on va avoir, vous voyez c'est marqué il y a un t-shirt. Donc tous les mois j'ai un t-shirt plus plein de trucs geek et gamer. Et on fait l'unboxing ensemble. En fin de vidéo je vous donne ma petite conclusion pour voir si ça vaut le coup. Donc celle du mois dernier déjà valait vraiment le coup franchement, à part une figurine que je ne connaissais pas. Donc j'étais un petit peu deg par rapport à cette figurine. Mais elle est vraiment classe, vous pouvez la voir sur l'étagère d'ailleurs derrière, c'est la grosse grosse figurine. Et Du coup, mis à part ça, il y avait un autre truc que je vous avais promis aussi, en dehors de l'unboxing Nerdblock, il devait avoir un autre unboxing ce mois-ci, mais désolé, en fait, les box ont été reportées au mois prochain, parce que c'est vraiment un tout nouveau truc. Je suis le premier à être dégoûté, mais le mois prochain, promis, il y aura deux unboxings de ce type de box. Donc voilà, fini pour le blabla, je crois que j'ai dit le plus important. Donc vous voyez qu'au niveau du setup, j'ai refait exactement comme le mois dernier, à ceci près que j'ai rajouté une lumière, donc logiquement, ça devrait être beaucoup plus clair, et il ne devrait pas avoir tous ces petits pixels dégueulasses. J'ai bien réglé le micro pour vous éviter les bruits de carton disgracieux. Et du coup, on est parti. Alors, hop, le scotch a changé de place. Oula, par contre, hop, le scotch est bien balèze. Ah, ils ont même... Ah, j'ai même l'impression... Ouais, c'est pas le même type de boîte, j'ai l'impression. Hop. Ah si, c'est juste qu'ils ont mis... ils ont pas mis le scotch à la place, donc je fais extrêmement gaffe au micro. Ouh, le t-shirt a l'air déjà stylé, le t-shirt a l'air stylé. Donc comme d'habitude, vous pouvez suivre, hop, je vais reculer un peu. Vous pouvez suivre Nerdblock via le hashtag sur Twitter. Maintenant il rajoute une petite étiquette. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Nerdblock? Donc on va pas regarder, je vous le montre vite fait. Maintenant il y a un petit étiquette avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la Nerdblock ce mois-ci. Ok d'accord, on va pas regarder, on va garder ça pour après, on vérifiera après le check-up. Donc le t-shirt, comme d'habitude, il y a le t-shirt qui est vert kaki, je ne sais pas ce que c'est, on se le garde pour la fin. Donc voici ce que contient la Nerdblock de ce mois-ci. Donc il y a l'air d'avoir un truc déjà Mario, une petite peluche, et un gros bouquin. Donc on va voir ça ensemble. Alors désolé, petite interruption les amis, on reprend où on en était, puisque ma seconde caméra en fait n'avait plus de place sur la carte mémoire, c'est de ma faute. Je n'avais pas fait gaffe, du coup j'étais en train de vous montrer la petite peluche, regardez, petite peluche Star Wars Ewok, donc on commence par ça. Vraiment très marrante, vous voyez. On peut enlever son truc, hop, je vais l'enlever. Bon, en même temps, sans son truc, il ressemble à rien. Ça ressemble à un gros Chewbacca. D'ailleurs, on peut faire deux peluches en une, vous voyez. Chewbacca et l'Ewok avec sa capuche. Vraiment très cool. Je pense que ma copine va bien l'aimer, celle-là. Elle va le trouver trop mignon. Elle va vouloir le garder. Donc, on commence déjà avec un truc Star Wars. Donc, cette box commence déjà super bien. Et ensuite... donc j'avais déballé ça, malheureusement ça ne l'a pas enregistré. Donc c'est en fait un truc New Super Mario Bros sur Wii U. Donc c'est une pochette qui contenait jusqu'à 6 porte-clés. Donc où est passé le papier? Voilà, le papier est ici. Donc je vous le montre à cette caméra, on verra mieux. Vous voyez, je pouvais avoir jusqu'à 6 porte-clés différents. Et moi en fait j'ai eu celui-ci. Donc un Yoshi. Un Yoshi en fait qui est en train de porter Luigi. Donc je vais vous le montrer tout doucement. Voilà, on va tourner tranquillement. Et regardez vraiment, malgré que le truc soit tout petit, donc là pour l'instant vous ne voyez pas la taille réelle du machin, mais c'est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment un porte-clés. Et il est méga détaillé, quoi. C'est impressionnant, regardez, je vous le montre à l'autre caméra, il est vraiment minuscule le truc, hein. C'est vraiment un porte-clés. Et moi en tout cas j'adore les trucs Mario, vraiment. La dernière fois, j'ai même un Luigi, regardez, tiens d'ailleurs. Hop.
J'ai même un Luigi, bon, celui-là c'est le Luigi qu'on avait dans les Happy Meal au McDo, mais je l'ai gardé parce qu'il pareil, il est super, super bien détaillé et j'adore vraiment les trucs Mario. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça puisqu'on parle aujourd'hui des trucs de la boxe. Alors ensuite, il y avait ceci. Alors j'étais en train de me demander ce que c'était. Vous voyez que c'est juste un truc de plastique, on n'a aucune explication avec une... Là on dirait que c'est pour accrocher quelque chose, et en fait j'ai regardé derrière la petite pancarte qui a été fournie au début de la box, et ça nous explique tout. Regardez, on comprend tout de suite. En fait ce plastique c'est un truc autocollant qu'on met sur son tableau de bord, et on peut y fixer son téléphone, donc apparemment ça colle tout seul, donc comme on peut le voir sur la photo, donc j'espère que ça colle vraiment, parce que si c'est vraiment ça, ça serait super. Ça changerait du gros truc noir là qu'on met un peu là où on fout son GPS, vous voyez, ça prend de la place, c'est moche. Alors que ça, vraiment, regardez, ça a l'air tout simple. On colle ça sur son tableau de bord, on pose le téléphone et voilà, ça tient. Donc vraiment, ça a l'air super. Bon, c'est pas trop en rapport avec l'univers geek et gamer, on va dire. C'est plutôt un truc un peu... ça, c'est un peu gadget. Pour moi, l'univers geek et gamer, c'est jeux vidéo, manga, film et tout ça, quoi. Mais bon, on va voir ça après. On va voir ça après. Ensuite, nous avions un autre truc Star Wars, donc la box a l'air d'être axée Star Wars. Et pareil, petite parenthèse avant de continuer, j'ai fait le week-end dernier un petit tour à Disneyland Paris et regardez ce que je me suis pris. Un petit Stitch de Lilo et Stitch, donc là vraiment il y a le reflet de lumière, regardez, en Star Wars. Il peut tourner la tête et tout, c'est vraiment un truc méga cool. D'ailleurs Nerdblock, si vous voyez ma vidéo, je ne pense pas que vous allez la voir, mais regardez. Franchement, mettez-nous des trucs comme ça dans les box et ça serait méga sympa. Donc bref, pour revenir, là je continue à vous raconter ma vie. Ce truc Star Wars, alors qu'est-ce que c'est? Stickers, il y a des stickers inclus, ok, pas de ciseaux, pas de glue, prêt à assembler. Donc ça a l'air d'être un peu... D'accord, en fait c'est une sorte de crèche, un peu comme une crèche de Noël, mais version Star Wars, un peu Star Wars Minecraft. Je sais pas si vous voyez le délire. Hop, je vous montre à celle-ci, regardez, c'est plein de petits bonhommes en papier, apparemment facile à assembler. Et ça fait une sorte d'arche avec plein de petits bonhommes carrés Star Wars. Donc là derrière il y a le plan, comment assembler tout ça. Donc on va faire ça tout à l'heure dans la conclusion. Donc pareil, un petit truc sympa. Hop là. Et ensuite, donc qu'est-ce que nous avons dans cette box? Donc ce n'est pas fini, hein. Bien sûr on va finir par le t-shirt. Nous avons un comic book apparemment, Marvel Now, le numéro 1. Donc ça déjà ça va être un numéro collector sûrement, le premier numéro. Variante édition exclusif aux conventions. Donc hop, The Amazing Spider-Man, donc bah, il y a le reflet, c'est assez chiant, voilà comme ça, vous n'avez pas le reflet. The Amazing Spider-Man, donc regardez-moi ça, le premier comic book, donc je pense que si je le garde dans plusieurs années, ce genre de comic book va valoir du pognon, et bien sûr, il est en anglais. Donc vu que c'est une BD, je pense que ça va pas être trop dur à lire, hein. Toutes les pages sont en couleur, regardez-moi ça vite fait. Toutes les pages sont en couleur, ça a l'air d'être d'une super qualité, ça se dit pas trop, d'une super qualité, et du coup, je pense que je vais essayer de la lire, même si c'est en anglais, je vais essayer de comprendre et tout. Donc un cadeau aussi, vraiment cool, vraiment sympa. Et on va finir par le t-shirt. Donc le t-shirt, par contre, je le regarde un petit peu avant vous. Qu'est-ce que c'est? Fate is coming. Oh, oh, putain, c'est bon, je viens de comprendre, j'ai mis un petit peu de temps, je viens de comprendre, regardez-moi ça. C'est un t-shirt, donc encore une fois, un t-shirt Star Wars de Boba Fett. Donc Boba Fett, vous voyez, c'est le casque de Boba Fett avec marqué « Fett is coming ». Donc Fett, Boba Fett arrive, quoi. Est vraiment très très stylé. Hein. Le mois dernier, nous avons eu un t-shirt Spider-Man, justement, qui était un peu plus axé marrant, enfantin. Et là, c'est vraiment un t-shirt super classe. Au début, quand j'ai vu le truc, j'ai cru que c'était un t-shirt Game of Thrones ou un truc du genre. Mais vous voyez que c'est vraiment méga classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce t-shirt... Franchement, je le kiffe. Les t-shirts Nerdblock, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait choisir la box, hein, je le redis. Et du coup, donc voilà un peu tout ce qu'on a. Donc on va se retrouver tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Je vais assembler un peu tous les trucs qu'il y a assemblés. Et on se retrouve tout de suite. Alors avant de passer à la petite conclusion de fin de vidéo, je voulais vous dire déjà encore un énorme merci d'être plus de 900 à me suivre maintenant. Donc pour le petit concours, on va voir ça tout de suite après, vous allez voir, ça va pas être long. Et en fait, je voulais revenir sur la petite fiche, maintenant qu'on a tout vu, la petite fiche Nerdblock qu'ils ont rajouté ce mois-ci, c'est une nouveauté, et ben c'est vraiment cool, puisque ça permet de voir directement ce qu'on aurait pu avoir en fait. Vous voyez par exemple, justement là pour la peluche, on va commencer par ça, par la petite peluche Star Wars que j'ai eue de l'Ewok, j'aurais pu avoir des trucs vachement cool et vachement moins cool aussi, regardez. Vous voyez là, hop, je vais essayer de vous le mettre bien devant.
Voilà, comme ça. Vous voyez, les Star Wars plush, donc c'est en anglais. J'aurais pu avoir Dark Vador. Donc Dark Vador, je m'en branle, il est à moitié moche. Derrière, il ressemble à un hamster un peu. Mais regardez, entre les... Bah, juste au milieu, il y a R2-D2. Alors celui-là, j'aurais vraiment aimé l'avoir. Ensuite, il y a l'Ewok qui est pas trop mal. Et en dernier, je sais pas si vous voyez bien, il y a Maître Yoda. Par contre, lui, il ressemble à rien. Donc je suis pas mécontent de pas l'avoir eu. Mais vraiment, vous voyez qu'on peut avoir vraiment plusieurs choses dans votre box. Donc vous allez peut-être pas avoir forcément la même peluche que moi dans celle que je vais faire gagner. Donc ça sera peut-être la surprise. J'espère pour vous. En tout cas, ça sera un peu bête d'avoir les mêmes trucs que là, j'ai eu dans mon unboxing. Donc ensuite, on passe au deuxième truc de cette box, donc c'était ceci, donc le petit porte-clés Mario. Donc celui-là par contre je vais pas le foutre en porte-clés bien sûr, je vais l'accrocher je ne sais pas où, mais je le remonte. Donc par contre à cette caméra-ci il y a la lumière, alors attendez, hop, on va baisser un petit peu ça, voilà, ça va tout de suite mieux le faire. Donc si la caméra veut bien faire le focus, non il veut pas, donc ça va rester un petit peu flou. Désolé, mais vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le petit porte-clés Mario, hop, on remet la lumière, ça sera mieux. Le petit porte-clés Mario. Alors ensuite, donc j'ai testé le fameux truc pour téléphone portable. Donc vous voyez, en fait, vous collez votre téléphone portable dessus et le côté derrière, et ben vous le foutez sur votre tableau de bord et ça colle vraiment. Ça surprend au début, ça colle vachement. Regardez, hein, mon téléphone, normalement il se casse pas la gueule. Hein. Là, je le secoue un petit peu. Et vous voyez, ça tient bien. Bon, ça commence forcément à se décoller parce que c'est pas censé être suspendu comme ça. Mais ça colle vraiment. Regardez, je peux vous le montrer. Vous voyez, c'est un peu dur à enlever. Et c'est un truc vraiment sympa. Donc par contre, un petit peu dommage que ça n'ait pas trop de rapport, je vous l'ai dit, avec l'univers, pour moi, gamer, geek. Même si l'univers geek, c'est un peu les trucs de ce style-là, mais... Moi, vraiment, mes trucs préférés, c'est les trucs qui ont un rapport avec l'univers des jeux vidéo, séries télé et manga aussi, je le redis. Alors, une fois qu'on avait tout ça, nous avions donc ce petit comic book, ça sera plus sympa. Le petit comic book Spider-Man que je vais lire, bien sûr, hein, qui a l'air vraiment beau déjà. Donc, je sais pas si je vais tout comprendre, mais je vais essayer de le lire. Alors ensuite, en avant-dernier objet, nous avions ce Papercraft Star Wars. Donc au départ, je vais pas vous mentir, je trouvais ça cool comme ça. Mais en fait, au fur et à mesure de le construire, je me suis dit, mais bordel, c'est quoi cette merde? Franchement, c'est... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le socle. Donc regardez comment c'est foutu. En fait, c'est pas du papier. Donc déjà, c'est marqué Papercraft, mais en fait, c'est du carton. Donc c'est quand même solide. Hein. On peut pas le tordre comme ça. C'est quand même solide. Donc là, j'ai collé des stickers. Vous voyez que ça fait très très moche. Hop, vous voyez, il y a même un sticker R2-D2. Hop, il y a deux côtés. Donc ce côté-là est un petit peu plus sympa quand même à l'intérieur de l'étoile de la mort. Mais le socle, je ne vais clairement pas le garder, hein, je vais le foutre à la poubelle. Mais par contre, et là je pensais aussi les jeter au départ quand j'ai vu ce que c'était. Mais une fois assemblées, elles sont trop mignonnes. Regardez, donc là j'ai Luke Skywalker, vous voyez, il y a les petites mains qui dépassent et tout. Vraiment sympa, donc lui ce black là, je ne sais plus du tout qui c'est. Et c'est complètement raciste, vous avez raison. Ensuite, donc j'ai Chewbacca qui est vraiment sympa aussi. J'ai Boba Fett, alors lui franchement je le kiffe, regardez-moi ça, il est vraiment vraiment sympa, raccordé à mon t-shirt en plus, avec la petite antenne qui dépasse, donc je vais vous mettre quand même un plan, rassurez-vous, juste après, ou même peut-être là actuellement, avec l'ensemble, hein, filmé bien comme il faut. Ensuite, lui je ne sais plus qui c'est. Vous voyez, il est prisonnier, là, je ne me rappelle plus de son nom, c'est la toute première trilogie Star Wars. Nous avons la princesse Leia. Hop, je vous montre de tous les côtés, avec la petite, les petits cheveux noués derrière. Hop, donc je garde le meilleur pour la fin, bien sûr. Donc, est-ce que je vous ai tout montré? Non, nous avions ça aussi, donc celui qui est dans son sarcophage aussi, pareil, excusez-moi, c'est un des bonhommes les plus connus de la série, mais je ne me rappelle plus de son nom, dans son sarcophage. Et enfin, le meilleur pour la fin, qui en plus, dans un carton spécial, c'est Dark Vador. Donc, Dark Vador aussi, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Boba Fett. Je pense dans tout le lot, mais Dark Vador, vous voyez, il est un peu spécial par rapport aux autres parce qu'il est dans un carton plastifié, il brille par rapport aux autres, ça reflète en fait pour faire son armure et c'est vraiment sympa, je pense, petit souci de détail, vraiment sympa. Et enfin, on finit par, bien sûr, le t-shirt Fit is Coming, et comme on peut le voir sur... d'ailleurs, ça m'a surpris, je ne le savais pas, on peut l'avoir en noir, apparemment, le t-shirt, on peut l'avoir en noir, donc en noir, il était vraiment sympa aussi, mais en vert, comme ça rend plutôt classe.
Alors en conclusion, cette box au final, je ne sais pas vous, mais moi je la préfère au mois d'avant. Alors par contre, il y a ça, donc ça je vais foutre dans ma voiture, mais je ne sais pas si ça va servir longtemps, mais ce n'est pas très grave, ça on va dire que ça je m'en fous un petit peu. La BD Spider-Man, donc dommage qu'elle ne soit pas en français, mais c'est logique, hein, je le savais de toute façon en prenant ce genre de box, un Nerdblock, c'est pas localisé, hein, c'est en anglais dans tous les pays forcément. Mais à part ça, vraiment, je le redis, les petits trucs comme ça, là, je kiffe, ça va faire une petite série là partout. Il y aura la petite série derrière sur l'étagère, ça va être vraiment sympa. Celui-là, je m'avoue, au départ, je trouvais quand même sa tête, je vais pas vous l'avouer, regardez, il a un petit hernier un petit peu. Il me fait penser à mon meilleur pote, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, big up. Mais je ne suis pas déçu non plus, parce qu'on a vu que Yoda avait vraiment une sale tronche sur le truc. Nous avions le petit porte-clés. Donc ça, le petit porte-clés, je le redis, hein, super bien détaillé, donc je kiffe. Forcément, le t-shirt que je kiffe à mort aussi. Et je crois n'avoir rien oublié. Donc. Alors maintenant que l'unboxing est terminé, j'ai décidé de vous faire gagner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une Nerdblock, donc la Nerdblock de ce mois-ci, hein, du mois de mai, donc vous allez avoir à peu près les mêmes trucs. Il y a des choses qui peuvent différer, je le redis, comme la peluche, sûrement le porte-clés Mario, hein, vous allez peut-être avoir un truc différent. Et justement, celui qui gagnera cette box, ben, j'espère que tu m'enverras un message sur Facebook ou Twitter, avec une petite photo, ou juste pour me dire ce que tu as eu, ça serait vraiment sympa. Donc pour participer et tenter de gagner cette box, cette Nerdblock, donc il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne, de mettre un petit j'aime à la vidéo et de mettre un commentaire, donc n'importe quoi en commentaire. Cette fois-ci, il n'y a pas de message codé à mettre dans votre commentaire. Il y a vraiment, vous m'écrivez ce que vous voulez en commentaire, et à partir du moment où vous laissez un commentaire sous la vidéo, je vous prendrai en compte pour participer au tirage au sort qui aura lieu en même temps que l'unboxing du mois prochain. C'est-à-dire que le mois prochain, on se retrouve pour l'unboxing de la Nerdblock du mois de juin, forcément. Et lors de l'unboxing de cette Nerdblock là, à la fin de l'unboxing, je vous ferai le tirage au sort en direct et j'annoncerai le gagnant. Donc ça va mettre un petit peu de temps à arriver, donc forcément tu l'auras que dans un mois, mais comme ça laisse vraiment le temps aux gens de participer. Et qui sait, peut-être que lors de la Nerdblock du mois de juin, je referai un autre concours pour gagner une box. Si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de monde qui participe, moi ça me fait plaisir, donc ça me fait dépenser des sous forcément, hein, d'acheter le truc en double, mais ça me fait vraiment plaisir de vous faire plaisir justement. Donc voilà, donc les règles sont simples. Je précise un truc par contre, le t-shirt qui sera dans la box, il est en taille XL, donc non pas parce que je suis un big papa, si on peut dire ça, tout simplement parce que moi je fais du L. Mais les t-shirts, quand j'en achète, souvent je prends en XL, parce qu'une fois que ça passe à la machine, forcément ça rétrécit au bout d'un moment, tout ça. Donc c'est du XL, donc si vous êtes un peu jeune, vous pourrez le refourguer à un pote ou à votre papa, ou vous le gardez en pyjama, il arrivera jusqu'à vos genoux. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais je précise que le t-shirt c'est du XL. Donc en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing, pour le résultat du concours le mois prochain. Moi je vous dis peace et à la prochaine tout le monde.